S'arrêter. Par contre, voilà, là on va faire une petite pause et après on va partir direction Saint-Étienne-de-Baïgorry. Et où là on va par contre croiser beaucoup, on va traverser plusieurs villages. Et je risque de pas m'en souvenir de tous. Là on va l'enscar ici. Ça c'est mon endroit ici où je m'arrête aussi souvent quand je viens ici. Et donc je marquerai, j'indiquerai dans la description les noms des villages. Là, si je n'arrive pas à les commenter, que je me rappelle plus, en roulant, non, en regardant plutôt là, je les marquerai dans la description. Ça, tu sauras quel village on a passé. C'est un autre village. On rentre dans un autre village. J'ai pas eu le temps de lire le nom. Désolé. Là, on voit encore les montagnes au loin. Alors ici, dans cette partie, le mouvement basque, il est assez actif. Par contre, qui est en marche, même si on n'entend plus trop parler, il est encore en marche. Beaucoup voudraient avoir l'indépendance complète du Pays Basque. Or, on a passé un panneau tout à l'heure, juste avant, là, sur le côté gauche, c'était pour aller en direction de je ne sais plus quel village. Mais c'est un village qu'après il faut. On finit presque en cul-de-sac, il faut faire demi-tour pour revenir sur la route. Donc c'est pour ça qu'il y a certains villages que je ferai pas. Parce que ça me ferait faire trop de détours. Là je choisis en fait le maximum ceux qui sont sur la route en fait. Sur le trajet en fait. Ça se décore, hein, c'est pas magnifique. Ces montagnes là, regarde-moi ça. Oh, j'adore moi venir par ici. Regarde ça, toutes ces montagnes au loin comme ça là. Ça c'est un décor magnifique. Avec les maisons basses sur les côtés.
plus. Par contre, quand on va arriver à Saint-Étienne de Baïgouri, tu vas voir qu'à un moment donné, on peut aller à... on peut rejoindre encore Dancharia par là, mais aussi Pampelune. La frontière, elle est pas très loin, elle est à quasiment à côté de Saint-Étienne de Baïgouri. Et oui, la frontière, elle a plusieurs endroits, frontière en Espagne. Ça va dépendre de cette vidéo, ce que ça va donner, si ça marche bien ou pas. Je ferai peut-être des vidéos où j'irai dans chaque village et à pied, et je filmerai à pied à l'intérieur de chaque village pour faire découvrir un petit peu le bourg de chaque village à pied. On verra, ça va dépendre comment ceux-là ils vont marcher, et puis bah, je mettrai un petit post et puis je demanderai votre avis. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, si vous aimeriez voir ça à pied, que j'aille dans chaque village et que je fasse une vidéo en marchant à pied dans chaque bourg de chaque village. Mais bon, ça prendra beaucoup de temps. On verra, on va déjà voir cela. Si vous aimez, puis vous me direz. J'adore, regarde ce paysage. Et c'est pas magnifique quand même. Par contre, il y en a une que je vous ferai. Il va falloir que ça, je la ferai. J'irai à Sarre, parce que à Sarre, il y a les grottes de Sarre. Et il y a une histoire avec les sorcières. Et puisque ici au Pays Basque, on a une histoire, les légendes avec les sorcières. Il y en a eu pas mal ici au Pays Basque. Et il y a les fameuses grottes de Sarre où justement les sorcières se réunissaient. Donc j'irai, je pense que je ferai une vidéo et j'irai filmer les grottes de Sarre. Et en essayant de vous expliquer un petit peu les légendes, l'histoire de ces fameuses grottes et tout. Regarde ça un peu, regarde ce paysage, c'est pas beau ça. Bon, il ne reste plus qu'une minute. Je vais commencer à te dire au revoir. En tout cas, moi, j'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. Que tu t'es bien détendu, bien relaxé. Que ça t'a peut-être aidé à t'endormir. En tout cas, je l'espère. Et moi, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, porte-toi bien. Et surtout, prends soin. C'est vraiment très 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 important. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye. Ciao. Bon, je suis encore à l'avance. Il me reste 20 secondes. Là, je sais pas quel village on a traversé. C'est pas grave. Je te marquerai tout ça. Allez, c'est bientôt fini. Bon, allez, je te dis à la prochaine. Wow, t'as vu celle-là, la bagnole? Ah, c'est taré, c'est con.